Ça n'a pas été élu. Quelle est un petit peu votre première réaction ce soir au résultat ? Fier de ce qu'on a fait. On a fait une belle campagne, propre. On n'a agressé personne. Ça a été net. Ça n'a pas été le cas de partout, dans toutes les autres listes. Mais bon, nous on sort propre. Et puis voilà. Après, je leur souhaite bonne chance. Parce qu'ils ont du taf. Et le résultat, on va dire, est un petit peu moins bon des deux, si on rassemble vos deux listes par rapport au premier tour. Oui. Comment vous expliquez le fait que vous n'ayez pas réussi à convaincre finalement peut-être ceux du premier tour ? Je pense qu'on n'a pas bougé du tout même. On est resté en l'état. Disons qu'on n'a ni gagné ni perdu de tout le monde. Mais voilà, on n'a pas concrétisé avec le nombre de votants qu'il y a eu. Finalement, est-ce que, entre guillemets, cette alliance était la seule façon aussi d'espérer avoir un poids? Par contre, il fallait quand même cette alliance au second tour pour maintenir ça? Oui, bien sûr. C'était ce qui a fait être plus sain. De toute façon, qu'on parte chacun de notre côté, je ne pense pas qu'on soit arrivé à faire quelque chose. Alors que là, on a eu. C'était très sain, c'était bon. Hein. Moi, je trouve que. Je ne sais pas ce qui se passera dans 5 ans, mais si dans 5 ans, il y a des alliances comme ça, je pense que c'est des choses qui peuvent changer un petit peu à Tens, parce qu'à Tens, on reste toujours avec ses acquis et cette façon d'être. Et je pense que le mélange de genres peut amener beaucoup de choses. Après, ça peut être reçu par les habitants. Je pense que c'est en train de changer, Tens est en train de changer, la population change. C'est peut-être à nous de nous acclimater aussi à ce changement. Concernant un petit peu votre participation au sein de l'opposition, comment vous envisagez cette participation maintenant ? Opposant. Il n'y aura pas d'accord. Enfin, il n'y aura pas de dissension, un discours pacifique, non. Un rassemblement. Il y aura même... comme vous savez, quand vous êtes abîmé un petit peu, quand on parle de votre personne et qu'on vous démolit, moi, je suis sincère, je suis propre, je suis un mec, je suis droit, je suis droit dans mes bottes, donc je ne ferai pas de cadeau, je n'insulterai personne, mais je n'aiderai personne. Voilà, on pense c'est tout.